FP ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, ouais, tranquille. Du nouveau dans l'affaire de Shakira, Gérard Piqué. T'es pas au courant? T'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Je vais tout t'expliquer dans les détails. Tu connais Shakira? Tout le monde la connaît, celle qui chantait Whenever, whenever, whenever needs a lover. Can't see you wanna. Alors, vous avez vu les talents vocaux? Vous êtes littéralement choqués. On se souvient aussi de ce clip où elle allait littéralement, mesdames et messieurs, se dandiner dans la boue. Regarde le clip, elle danse dans la boue. Nous, on était choqués. On s'est dit, mais ma petite, qu'est-ce que tu fais dans la boue? Tu vas te salir, il y a plein de microbes. Il y en a d'autres qui disaient, hey, elle est dans la boue. Hein. On dirait du chocolat. J'ai envie de lécher. Bon, elle a aussi chanté, Zamina Mina, eh eh, waka waka. Enfin, elle a chanté. On se souvient tous de ce qu'elle a fait. Elle a plutôt volé ce son, car le son existait déjà. Elle l'a volé, elle l'a remis au goût du jour, et ce son a été choisi pour l'hymne de la Coupe du Monde 2010, si je dis pas n'importe quoi. Bon, nous sommes pas là pour parler de ses talents de voleuse. Shakira est une icône dans le monde hispanophone. Tout le monde la connaît pour ses musiques et pour ses danses chaloupées, serpentales. Elle a carrément fait venir, mesdames et messieurs, Gérard Piqué. Et elle s'est mise en couple avec lui. Ils ont fondé une famille. Gérard Piqué, qui lui est une star du football espagnol, l'ancien défenseur du FC Barcelone, l'ancien défenseur de la nation de l'Espagne. Mais mesdames et messieurs, lui dans la vie, c'est un attaquant. Oh là là, mesdames et messieurs, il était marié avec Shakira, il est parti piquer la maman d'un coéquipier. Vous vous rendez compte de cette dinguerie monumentale? Est-ce là l'agissement d'un défenseur? Non, c'est un attaquant, et un attaquant qui pique. Parce qu'il est parti piquer le cœur de Shakira, piquer la maman de son coéquipier et piquer l'opinion publique. On est tous choqués de la violence de Gérard Piqué. Vous vous rendez compte? Hein? Il est parti la tromper. Tout le monde s'est choqué. Tout le monde était outré. Tout le monde s'est dit, mais attends, t'as Shakira qui fait les danses chaloupées serpentales, ça ne suffit pas? Hein? Tout le monde était choqué. Shakira, attristé. Gérard Piqué n'en a pas fini de la piquer, car il se souvient très bien du clip de Shakira où elle dansait dans la boue, et il a décidé de la mettre dans la boue au niveau du fisc. C'est-à-dire qu'il l'a appelé, tu te souviens, tu dansais dans la boue, allez tiens, la boue du fisc. Donc le fisc espagnol est sur le dos de Shakira. On peut dire que les tragédies et les bouleversements n'ont pas arrêté de bouleverser la vie de Shakira pendant ces dernières années. Et là, mesdames et messieurs, elle a su transformer toute cette tragédie en un art musical. Elle a commencé à clasher Gérard Piqué en disant que Gérard Piqué, il a changé une Rolex pour une Casio. Gérard Piqué a répondu, la Casio, ça dure toute la vie alors que la Rolex, il faut la changer. Donc Gérard Piqué continue de piquer. Elle a dit aussi, tu as changé une Ferrari pour une Twingo. Maintenant Gérard Piqué roule en Twingo. Il n'a pas fini de piquer. Alors déjà, Shakira, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que les Ferrari, c'est pas mieux qu'une Twingo. Jamais de la vie. La Twingo, ça dure toute une vie. Alors que la Ferrari,